Chers sujets du Royaume de France, chers amis, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Bon, pas de petite histoire aujourd'hui, j'en ai en réserve, mais il faut un petit peu alterner, puis pas trop vous faire prendre goût à, à mes contes modernes. Bon, peut-être hein, ce soir, si vous êtes gentils, on ne sait jamais voilà, si j'ai le temps, parce que ça demande du temps. Mais euh, nous avons tout de même pas mal de choses à nous raconter euh, concernant l'actualité. Bon, tout le monde en a parlé. Euh, il faut quand même que j'en parle aussi. Euh, cette histoire de flamme olympique, vous êtes au courant Oui. Bon, euh, il paraîtrait. Alors, je, je ne suis pas allé creuser, mais c'est tellement choquant, il paraîtrait. Que euh, le porteur euh, des Jeux Olympiques à Paris. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Hein, combien il y a de, de, de porteurs de flamme, euh, comment ça se déroule. Euh, je je n'en ai aucune idée personnellement. Je, je, je m'en fiche. Mais il paraîtrait que celui qui est missionné pour être le représentant des, des, des sportifs, c'est euh, euh, un, un, une. Euh, Enfin, Corrigez-moi, je n'en sais rien aussi. Drag queen, enfin, une espèce de travestie euh, d'homme homosexuel déguisé en femme, Enfin, en, en, en truc qui fait peur, on va dire. Ben, ça fait peur aux enfants. Hein. Bon, <laughs> mais conceptuellement, c'est euh, c'est impossible. Il n'y a pas de concept pour décrire cela. Il n'y a pas de il a pas de. de... On ne peut pas intellectualiser ce fait, tellement c'est absurde, tellement ça relève de l'absurde. Tellement les relations entre le sport, euh, le milieu, euh, et, comment c'est LGBT, machin il euh, n'y euh, en a pas, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas miscible. Ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Donc le fait de mêler les deux, ça plonge de toute façon dans une sidération mentale qui rend euh, les plus intellectuels d'entre vous dans l'incapacité euh, euh, de porter une parole, un jugement euh, de condamnation ou d'acceptation ou de quoi que ce soit de ce, de ce fait de cette de cet acte posé par nos gouvernants, nos dirigeants. On est dans le l'assidération, dans la rupture de l'intelligence absolue. C'est ça, en fait. Il est impossible de, de dire euh, bon quand même, ça va un peu loin. C'est au-delà de ça. C'est pas que ça va un peu loin, c'est que ça n'a strictement aucun sens. Aucun rapport. Ce drag queen, c'est un phénomène qui a toujours existé. C'est depuis l'Antiquité. Il y avait certainement des sortes de cabarets dans l'Antiquité, égyptienne, grecque, ce que vous voulez, avec des hommes déguisés en femmes ou d'autres hommes ayant des tendances gays, on va dire gay dans le sens joyeuse, <laughs> bon. euh, pouvait aller euh, euh, s'en mettre plein euh, l'essence. Enfin, Ça existe depuis toujours. Mais quelle relation cela peut avoir avec, avec les Jeux olympiques En quoi les Jeux olympiques peuvent-ils être une vitrine de... Euh, de la communauté LGBT et pour quelle raison au nom de quel concept qui nous échappe complètement qui est impossible à intellectualiser à, et donc à critiquer on, on peut rien dire on reste sans voix complètement alors de toute façon euh, nous voyons bien dans ce siècle de la laïcité érigée en religion, parce que c'est une laïcité qui est devenue un athéisme militant, c'est donc une religion, la religion de l'athéisme. Euh, les nouvelles idoles, euh, hormis Gaïa, euh, sont euh, ces gens qui pratiquent l'inversion, le dessus-dessous. Il y a toujours eu ces gens-là, ça a toujours existé, mais on nous les, les érige aujourd'hui en idoles et on nous les met en avant pour tous les actes quotidiens de la vie y compris le saut à la perche ça n'a aucun sens donc c'est impossible de s'exprimer philosophiquement sur ce fait c'est la description pure de l'état actuel de notre civilisation notre civilisation en est à ce degré de total euh, décohérence, c'est même plus de l'incohérence, c'est de la suppression de la cohérence. C'est que toutes les pistes intellectuelles, toutes les voies permettant de poser un, un jugement sur notre environnement sont effacées, brouillées, coupées, brisées. Alors euh, la question, c'est est-ce euh, que nos dirigeants, enfin les, les coupables, ceux qui se commettent à euh, organiser cet événement de cette manière-là sont conscients du fait qu'ils détruisent par par cet acte la civilisation la toute forme de cohérence euh, de maintien de d'élan vers un avant euh, qui n'est pas le progrès mais un avant euh, vers le bien commun de la civilisation s'est détruit par euh, cet acte qui n'a aucun sens, qui plonge chacun d'entre nous dans une sidération totale. On voit ça, c'est typique. Quelle relation, quel rapport, comment, euh, euh, comment organiser mentalement euh, le drag queen porteur de la flamme olympique dans le contexte alors, est-ce que les gens qui, qui organisent ça sont, sont conscients de la destruction civilisationnelle à laquelle ils opèrent Je pense que oui, en fait. Je pense que ça concourt à une réelle volonté de destruction. C'est le, le, le concept de l'ordo ab gao. On va détruire, on va supprimer toute possibilité à euh, des personnes un peu bien câblées de droite, catholiques et autres, de porter une réflexion cohérente sur ce fait, sur la civilisation en elle-même euh, que, euh, que nous allons promouvoir jusqu'à euh, l'implosion, et puis nous arriverons en Sauveur. Enfin, il se passera quelque chose de toute façon, et euh, la destruction est assurée, elle est en cours. Elle est là sous nos yeux. C'est un acte. Euh, ça vaut tous les actes de terrorisme qui se produiront, peut-être ou pas, je ne l'espère pas, euh, durant ces Jeux Olympiques. Là, là, vous ne cherchez pas la bombe, elle est là. C'est la bombe, l'explosion, elle est là. Alors c'est un petit fait anodin, rigolo, les gens se marrent. Mais euh, il faut bien comprendre. Que euh, ça vaut le missile de Poutine sur Paris, c'est que là, on est en train de saper toute possibilité euh, de formulation d'une civilisation euh, euh, intellectuelle, toute possibilité d'élan de, de, national, de cohésion nationale. C'est un acte destructeur. C'est une bombe dans la civilisation ce petit acte anodin du porteur de flamme drag queen qui est là non pas pour représenter euh, les valeurs de euh, la France mais les valeurs de la communauté LGBTQ+ TZ+, voilà qui sont devenues les euh, valeurs de la République qui a je le répète signé son arrêt de mort définitif le 4 mars et qui là s'atomise dans une absurdité absolue, totale, dans une décohérence absolue, totale et définitive. Il n'y a pas à partir de là de possibilité de penser la civilisation. Il n'y a plus de possibilité de penser la civilisation à partir de ce moment-là, à partir de ce degré d'inversion, de mise en-dessus, dessous du fait de société, de civilisation de cette décohérence absolue. Il n'y a plus de possibilité de, de, de construire la France républicaine telle qu'elle est. Donc ça va forcément aboutir à une destruction et ça va se faire évidemment dans les larmes et j'espère pas trop dans le sang, mais il y a des chances. C'est très possible. Parce que vous avez en arrière-plan toute une caste euh, de, de tous ces migrants qu'on nous impose, et d'ailleurs qui vont se retrouver pour beaucoup euh, agents de sécurité de ce machin. Sachant que là, il leur en manque des milliers, et que dans l'urgence, ils vont recruter sans vérifier. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Ils ont déjà mis des retraités euh, boomers débiles. Ils sont là tout fiers. On va faire agent de sécurité pour les JO. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes tous conscients de, de ça. Tenez-vous très, 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 très éloignés de toutes ces manifestations de Jeux Olympiques. Bon, il en va de votre santé mentale, pour commencer, et euh, il en va euh, de votre santé physique, hein, parce que euh, ça, ça ouvre le champ libre à une force. Euh, possédant en elle son immanence spirituelle, euh, toute cette force de migrant qui vient euh, nous envahir et qui échappe à cette sidération. Elle, elle n'est pas dans la sidération, cette force migratoire. Elle est, euh, elle est dans l'abomination, elle est abominée, si je puis dire, par l'État de euh, décohérence de notre civilisation. Et, et, et c'est un vide énorme qu'elle comble. Et qu'elle comble de toute façon dans la violence. C'est de plus en plus flagrant. Et c'est naturel. Et quand vous avez le, le père de ce petit Matisse, je n'ai aucun respect pour cet homme-là, je ne vais pas lui adresser mes prières et mes condoléances. C'est un pauvre type. Voilà à l'âme du petit Matisse, mais son père est un con, il faut le dire, qui vient euh, vous faire la énième pleurniche du pas d'amalgame et du euh, droitard sorté de je-ne-sais-quoi-mais-mentions-et-autres euh, balivernes. Euh, le type, il prend l'appel pour creuser le vide sidéral dans lequel vont s'engouffrer euh, ces gens emplis d'une immanence spirituelle qui va nous... Euh, nous finir de nous assassiner, de nous tuer. Et c'est mérité, totalement mérité. Alors, je lance le débat en commentaire. Il est évident qu'il faut en parler, euh, il faut aborder la question sous l'angle euh, du règne social de notre Seigneur qui remet les choses en ordre. Il n'y a pas d'autre voie pour remettre les choses en ordre. Il est évident euh, qu'il faut essayer de rendre un peu de cohérence à cette destruction volontaire organisée. Euh, essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Je ne sais pas, hein, franchement, est-ce qu est que des choses peuvent être sauvées voilà. Donc venez en parler en commentaire, c'est important. Euh, et puis, ben, surtout, il ne faut pas laisser la place de l'Internet à euh, toute forme de gauchisme. C'est un gauchisme. L'esprit est, est, est gauchi, il est, il, est, euh, il est parti euh, du mauvais côté euh, du bien commun, du mauvais côté du bon sens, du mauvais côté euh, de ce qui est bon pour lui. L'esprit se tue. Le gauchisme est une maladie mentale mortelle. Le fait sous nos yeux là. Donc bah, partagez, mettez un pouce, abonnez-vous et à demain peut-être. Thank you